Yo, 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 tout le monde, c'est Tiob. Épisode 5. Alors, la dernière fois, on avait bouté Carthage de Carthago. Et là, on va essayer de tout simplement annihiler Carthage. Un petit blocus. Voilà. Ah ouais, non, mais genre, je peux. C'est une route dangereuse. Prends une bloc. Oh, les salauds. Prends une bloc là. Genre, cette petite armée là me bloque totalement. Ouais, j'aurais dû l'attaquer, c'est pas grave. On peut faire un petit tournoi? Allez. Le coup se réjouisse. Du bonheur public. Alors, j'allais dire que demande le peuple, mais bon. Vraiment, c'est redouté quoi. Voilà, mon Carthage fuit. Prêt pour vos ordres. Sérieusement, ah, c'est de pire en pire. Hein. C'est vraiment de pire en pire. Bon, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais forcer la cadence et puis je vais aller là-bas. Hein. Voilà, je continue le blocus. Pour pas qu'ils attaquent quand j'ai que ma flotte, on ne sait jamais des fois. T'sais. Petite lueur d'intelligence dans le pour le bot, c'est risqué. La route est fermée. Ah, la route est fermée, bah faut ouvrir la route. Hein, écoute, qu'est-ce que je te dis. On peut faire une retraite. Ok, c'est chiant. Bon, je vais mener la bataille sur le champ, à moins que je puisse. Non, 50% de perte, c'est trop élevé pour ça. Bon, ils ont que dalle, hein, ils ont que dalle. Bah, après, j'ai rien non plus. Moi, bon, j'ai des archers. On va essayer de jouer avec ça. Allez, je vous retrouve tout de suite. Bon, c'est une victoire amère. Si vous me permettez le jeu de mots. Beaucoup de pertes, hein, 1000 de pertes. Bon, c'est moins que prévu par l'IA, mais ça reste beaucoup. Ah ouais, j'ai perdu j'ai perdu même un général. Hein. C'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bien sûr, j'ai fait des captifs. Hein, là. Rien à fichtre. Alliance Mon défensive. Peuple n'aime pas le luxe, mais l'argent est utile. Je vous demande humblement non. De nous céder. Non. Ils veulent que je les paye pour une alliance défensive, ce qui est absolument hors de question. Hein, faut pas déconner, les gars. Hop. Et donc, si je fais ça. Non, pas. Voilà, résolution automatique. Mode équilibré, on rase. Enfin, on voit qu'il a pris Panormos là-bas. Et ici, on va faire une petite zone de recrutement. Autant de flotte que de soldats de terre. Enfin, on va dire d'armée de terre, quoi. Allez, c'est parti. Alors. Lui, forcément, c'est un stratège car navigateur. Là, oui, j'ai une petite armée là qui traîne là-bas. C'est mon armée principale, d'ailleurs. Lui, on peut le retirer du déplacement rapide. D'accord, il n'y a plus vraiment de... Ouais, mais ça, c'est pas intéressant. C'est pas très, très grave, je veux dire. Ok. On va sortir de débarquer le plus rapidement possible ici. On va bien évidemment encore les affamer, encore et toujours, et essayer de se débarrasser d'elle. Ah non, je peux pas. Non. Ah merde. Ah, j'ai dû inverser, c'est pas grave. Voilà, on les affame. Au mieux.
Des médicaments miraculeux, tiens, c'est pour le peuple, hein. On va être content. Il devrait, j'espère, il y a intérêt. Non. Hop, on augmente les revenus de l'agriculture. Ah, l'Oleïla. L'Oleïa. Ouais, voilà. Ouais, là, ça fait mal. Et on peut voir d'ailleurs que ici, celui qui a pris le plus cher, c'est mon amiral. C'est pas les autres. Qui est vraiment le plus faible de toute la flotte, quoi. C'est fou. Hop, on augmente. Bien évidemment, l'affinité culturelle. Les crotons, ils sont en guerre contre Carthage. Ouais, les Samnites, ils sont. J'en ai rien à foutre d'eux. Tu sais quoi, on va voir. Soyez si je peux bienvenue. Faire un petit accord commercial, non? J'écoute et parle. Non, toujours pas. Non je plus, vous souhaite la bienvenue au nom du Sénat. Dommage, eux. Exposez votre cas rapidement et. Non plus, les pirates, il n'y a rien à mon avis, c'est foutu. Hein. ça te tendu. Tandis que les dieux nous observent. Alliance militaire carrément Syracuse. Nous ne sommes pas salut, des amis et des alliés plus ouais, on ira envahir le sud de l'Italie. Ah, donc j'ai réussi à débloquer ça. Une alliance militaire ou défensive avec Tarquina, c'est compliqué ça. Surtout que j'ai déjà débloqué ça. Tarquina, on s'entend pas non plus très très bien avec Tarquina, les gars. C'est pas que je veux pas, hein, mais. Puisque vous avez fait l'effort de me rencontrer, je vais m'efforcer d'examiner votre offre. Si je fais un pack de non-agression, ça passe. Ouais, ils sont embêtants. Qui ici? Ah, il crève de faim, ouais, c'est très très bien. Bon. Je vais avancer. Je vais me mettre dans un fort tranquillement. Voilà. Eux là, j'espère qu'ils vont pas venir me saouler. Tu sais quoi? Là, je les vois venir à 10 000. Chut. S'ils veulent attaquer. Je les attends de pied ferme. Je suis prêt! Là, je les attends! Un Carthage qui fait des siennes encore. Allez, Carthage! Crevez un bon coup et nous faites plus chier. Hein? Quoi? Non, je rêve. Ouais, ils sont en train de bouger tous leurs agents, en fait. C'est un peu... Ah, salut, enfin. Ouais, c'est ça. Petite bataille défensive, les gars. Je vous propose de la suivre avec moi. Hein? C'est toujours un petit plaisir de casser du carthaginois. Je sais pas ce qu'ils ont cru. En même temps, ils ont plus de bouffe. Ils sont obligés. Ils sont obligés de bouger. Ils sont obligés de faire quoi que ce soit pour essayer de rattraper de la bouffe. Je les affame. Alors, putain, il fait moche. Tout pour faire bien bugger le... Tout pour bien faire ramer, hein, c'est parfait. Alors, on a pour ces mours hein, qui sont en réalité moyens hein, au niveau du poids. Enfin, de l'équipement, pardon. Voilà, on va mettre... Je vais mettre mon général derrière, voilà, ça fera un petit boost de... De morale, ici... Là, je laisse quelques unités au cas où. Ils arrivent par là. Parce que bon, on a vu qu'il y a deux armées. Oups, c'est pas assez étendu. Oups. Voilà. J'ai de la cavalerie. On va laisser derrière. On va viser avec. On verra ce qu'on fera. Lit de pierre coupante. Double lit de pierre coupante là. Pour bien ralentir nos ennemis. Ici. Là, voilà, des pieux pour les chevaux,
Et... ne serait-il pas une petite barricade ici au cas où? Oui, c'est très bien une petite barricade ici. Si elle veut bien être un peu plus grande par contre, juste... voilà, ah, voilà. Et on va commencer tout ça. De la cavalerie? Il y a de la cavalerie. Masse nord-africaine. Les renforts viennent de là-bas. Donc, je vais sortir ma cavalerie là-bas. Ici, je vais mettre deux unités les plus faibles. Et j'enverrai derrière mon unité la plus forte toute seule. Voilà. Oh, ils sont faits. Ah bah. Un peu de chaos. Voilà. J'ai un peu manqué quand même de. Unité à distance. Je regarde si. Ah, zut, j'ai une cavalerie. Cavalerie massin là-bas, hop. Là, j'emmène deux archers ici. Eux, ils vont se faire arroser. Non, derrière, ils sont arrivés en premier, c'est parfait. Ils sont enthousiastes, bon, on sait pas trop comment, parce qu'ils se font allumer un par un, c'est le cas de dire. Hop. Juste avant qu'ils tirent, le pauvre, ils sont allumés. Ça me va. La cavalerie, bien sûr. On l'approche. On fera gaffe, on a une petite cavalerie là. Hein. Ils sont vraiment mal rangés. Comme des brels. Mais bon, bah, qui tombe petit à petit. Ils étaient 51 et puis ils sont encore 51. Ils se baladent avec du feu quand même. Hop, ouf, bah, ils étaient 51. Ouais. Voilà, ça tombe pépère. D'ailleurs, notre garde, faut pas déconner non plus. On envoie notre cavalerie là contre les frondeurs derrière. Hop, on envoie notre général. Bon, on va en avoir besoin là, je crois. Voilà. On fait sortir là ces deux unités d'archer pour bien contourner hein, et bien prendre de flanc. Alors c'est bête, j'ai gardé sa cavalerie n'a pas du tout pu foncer dans mes pièges, ce qui fait bah, que je suis baisé quoi. On va y aller sur les frondeurs, on y va pas en courant là. Ce que je vais me faire, vous savez, c'est que je vais prendre tous mes archers là. Je vais leur dire sortez les gars. Hop, on les met là tranquillement. En ligne. On leur dit attaquer les gars, c'est gratuit. Eux là-bas, là, ils se rapprochent bien. Hein, donc, cette unité là de frondeur, elle se rapproche bien. Hein. Hop. Et maintenant je vais me décaler et je vais passer comme ça. Non, on va rester comme ça. On attaque bien en biais à l'arrière là, comme ça. C'est putain efficace là, vous voyez. Là ça tombe, hein. Là c'est. Tout là là. C'est une mordre. C'est parfait. Ah! J'ai oublié. Alors les peltastes, même punition. Je sais pas s'ils marchent ou s'ils courent. Hein. S'ils courent, de toute façon, ils seront fatigués hein, très vite. Ouais, ils courent. Hop, les peltastes. Ils vont se prendre un coup. Le moral, il est défaillant, tu m'étonnes. Ils sont même en fuite. Ils sont en mode maintenu. 70, 69, ils tiennent bien mine de rien, ça va. Voilà, bien serré les 30 plus 68, ils tiennent, merde. Ouais, fantassin derrière. Voilà, ça court sur ma cavalerie, c'est pas bon. Hop, c'est bon, ça a 10 secondes, ça a fui, je veux dire.
Hop, là on en est comment? On est très très bien, ils ont fini. On ramène tout ça ici. Eux, on arrête de tirer. Voilà, ils ont tout fui. Allez, on emmène tout le monde là. On n'a pas besoin de courir, les gars, hein, vous êtes tranquillou. On emmène le reste ici. Alors, pareil, pas besoin de courir. Et le général juste derrière. Zut, on accélère tout ça. Ah. Ouais, alors par contre, s'il y a. C'est un peu dommage. Voilà. Ils sont plus rapides que ce que je pensais, voilà. Ils arrêtent pas de courir comme des cons. Bon, on va me foutre un petit coup de boost là. De toute façon, c'est du moyen contre, je suppose, Deadward. Ah, regarde. En plus, ils sont fous, cheveux, donc, ouais. Niveau moral, défaillance. En berne, pardon. Ils sont sous le feu ennemi. Lui il a laissé passer tout le monde, il s'en est rien à foutre, c'est magnifique. Là, par contre il fait des dégâts. C'est un peu mieux mais efficace. Ah bah il s'est fait planter. C'est bête, juste avant le... Hop, j'ai oublié de les... De leur dire fa volonté. Allez hop. Allez les gars, c'est gratuit hein. 54, 40, 35. Ah, 35, 37, hein? Ah oui, non mais... Ouais, y'en a plus. Bon, ça pas suffi, apparemment. Hop, on emmène notre cavalerie faire un petit tour. Voilà, lui il peut tirer par l'arrière, là ce sera très efficace. Regardez-moi ça. Hop! Et on envoie notre... nos archers ici. Ouais, on les envoyait s'entraîner un peu quand même. C'est pas qu'ils ont évité une grosse partie des batailles, mais un peu quand même quoi. Voilà. Le général, même principe, hein, faut pas déconner non plus hein, les gars. Mais... on pense pas bien de traviole. Ça tient bien ce qu'il faut. Regardez-moi ça, ça a tombé comme des mouches. Hein. Voilà, là ça tombe. Ça fait très très mal. Regardez tout ce qui tombe derrière. Merde, on prend les tirs alliés. On tire dessus. Hein. Je vais dépasser, je vais laisser là. Bon, ça servira à rien. Ils auront déjà un fuit. Voilà. On va continuer. Et on leur dit stop. Là, on envoie la cavalerie. Suis tout ça. S'ils veulent bien arrêter au bout d'un moment. Allez. Voilà, merci. On poursuit tout ça. Bon, bah les tours, ça, on peut pas leur dire d'arrêter. C'est un peu chiant. C'est des dégâts alliés. Vous voyez, hein. Les unités que je vais perdre en juste dégâts de tour alliés. Hein. Allez, 10. Allez, presque 40. Presque 40 unités tuées à cause des dégâts de tour. Hein. Est-ce que je peux partir, hélas. Alors, on quitte la bataille. C'est une belle victoire. C'est une très belle victoire. 135 tués.
Pour putain, regardez les dégâts, genre j'ai perdu 50, 60, 63 plus 4, 67, j'ai perdu 67 unités à cause de ces saloperies de tours, quoi. Purée. Après il en a perdu lui 1530, hein, il en a pris, ah bah 1 pour 10, juste parfaitement 1 pour 10, hein, c'est... Voilà, donc je crois que j'ai un esclavage, j'ai du bonheur. On est bien. Voilà. On appelle à la vengeance. Les gars. Je l'ai porté ou pas? Voilà, mon avis d'avoir la portée. Donc eux, voilà, ça va être un guerrier. Un prendre par Normos. Résolution auto. Ah, ils sont chauds. Et non, on rase. Voilà, on rase. Hop. Un petit puits. Non. On va commencer à augmenter un peu le. Quand même, juste dire. On est neuralgique, quoi. Pas allergique, neuralgique. Ouais, je vous entends arriver hein, de très loin. Encore une armée carthaginoise. Très très bien, pas de soucis. On va vérifier, on peut plus rien construire. Non, 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 non. On peut faire un petit tournoi peut-être. Un tour, c'est pas de bol à chaque fois. On peut. Hop. Non. Ah merde, pourquoi j'ai fait ça? Bon bah tant que c'est fait, hein, tant qu'à faire. Hein. Et voilà, ces juges là on les assassine parce que c'est. Je les exterre, ce n'est pas une perte totale. Bah non. On les assassine pas parce qu'ils sont nuls. Ah bah voilà. On va dire ce qui est hein. Eux. Voilà, un bon gros guerrier quoi. La net, on voit qu'il y a encore un peu de Carthaginois qui subsistent. Son couvertement table sont disponibles. Ah! Ah bah voilà. Il n'y a plus de Carthaginois. Oh, ça me va. Bah si. Hein? Mais ils sont où? Attends. Il n'y a pas encore un qui traînait. Ah bah si, voilà, il a. Bon bah il est cassé un peu quand même, faut pas déconner. Alors on se débarrasse une bonne fois pour dessous deux, si j'y arrive. Voilà, j'arrête pas de cliquer à côté. Un petit tour. Parfait, ne prenez pas. Ouais, pas de problème. Et on va aller attaquer les ennemis de nos alliés. Donc on assiste. Faction détruite, Carthage. Et on a réussi à se débarrasser de Carthage. Voilà. L'objectif de cette vidéo a été accompli. Prochain épisode. Tiens. Je sais pas ici, ça doit pas être Syracuse alors. Prochain épisode, hein, on s'enfonce dans la Sicile. Et non, et en fait, et surtout, un peu vite. On va sûrement déclarer la guerre à région, en région. Alors, le peuple en région, pas. Voilà. On aura compris. Hop, de la nourriture, un petit verger. Donc, sur ce jour, merci d'avoir suivi. On se retrouve pour le prochain épisode demain. C'était Thiob. Ciao!